Salut à tous, c'est MakoNormiNou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Éclat Pourpre. Donc, alors, dans le dernier épisode, on était en mauvaise posture, au carnage, il restait 3 PV. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu sortir, comme je vous l'avais dit, pour aller me soigner. Mais, vu que j'étais un peu paumé, je suis retombé, en fait, sur un sbire qui, en fait, m'a achevé, quoi. Avec 3 PV, je pensais que je l'avais battu, et du coup, il m'a un petit peu eu. C'est bien, c'est que ça m'a permis de sortir, j'ai été me soigner. Et je me suis reperdu un petit peu dans le labyrinthe avant d'arriver ici. Ici, on n'y était pas encore allé. Donc, au final, on va reprendre l'épisode ici. Alors, donc, je suis passé devant la porte de l'admin. Apparemment, il me manquait un bout du mot de passe. J'ai la deuxième partie du mot de passe, mais pas le premier. Donc, on va essayer de trouver la première partie du mot de passe. Voilà, au passage, j'ai acheté des baies. En fait, elles sont pas chères. J'avais vu cette astuce dans un let's play sur YouTube. Et c'est vrai qu'elles sont pas chères. Au final, ça va permettre de me soigner, de me dépanner un petit peu, quoi. Sans les donner forcément à mes Pokémon, mais entre les combats. Alors, du coup, on y va. Est-ce que toi, on t'a vu? Juste avant, je venais de battre un sbire, donc ce qui m'a permis de savoir que j'étais dans une nouvelle zone. Qui m'a dit qu'il n'était pas assez gradé pour le mot de passe, donc je pense que ça devrait pas être trop loin. Bon, j'essaie toujours d'XP un petit peu Tetart. J'ai beaucoup d'espoir dans le Tartare en fait. Bon, je voulais. Généralement, je lance Hypnose en premier. Là, je me suis un petit peu emballé. J'ai une attaque toute pourrie, elle marche même pas. Ouais, j'aurais bien voulu laisser Tetart, c'est con. Si j'avais réussi à endormir Arbok dès le début, je me suis un peu emballé. Et c'est vrai que lui, il est de type feu. Mon gros souci, ça reste ça. Ça reste que de toute façon, je passe ma vie en fait à appuyer sur A pour speeder un petit peu le jeu. Et au final, je fais plein de petites bourdes. C'est pas grave, on va se taper. Du coup, j'ai pas vu s'il nous avait donné le mot de passe avec ses bêtises. Faut vraiment que j'arrête de speeder, moi. Déjà, on va se faire un petit coup de baie, voilà. Elles sont vraiment pratiques, hein. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. On aurait des citrus. Je pense que bientôt on va réussir à trouver des citrus quand même. Du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose là-haut? Non. Donc on va suivre le chemin prévu. Ok, encore un nouveau. Ratatac. Bon, Tetart il commence à être pas trop mal là. Je sais pas si. Mais à chaque fois j'ai remarqué que j'avais vraiment très peu de chance avec la confusion. Je réussis une attaque sur 5 à peu près. Je me trompe. Thank you.
C'est bizarre que du coup je sois déjà passé mais que lui je l'avais pas eu. Allez Pika, montre-nous de quoi t'es capable. Oh ça c'est nul. Alors maintenant on a plus qu'à retrouver, je pense que l'autre a dû nous donner un bout du mot de passe. Je le verrai au montage, vu que là je regardais autre chose quand c'est passé. Maintenant on a plus qu'à retrouver l'endroit. C'est ici. Et dis-moi que c'était bon. Ok. Super, on va se mettre un tout petit coup de soin pour Pikachu, des fois qu'il y a moyen de le EP un petit peu. Hop. L'antiscope, c'est quoi ça? Ok. Oh putain, j'ai le multi-exp, j'ai chopé où? On va le donner à Pika. Je savais pas du tout choper, alors je me demande honnêtement. Ou alors je l'ai chopé là tout à l'heure et j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Pokémon en cage? Quoi qu'il en soit, je touche au but. Ça me rappelle un épisode de l'anime où... il y a Butch et Cassidy de la Team Rocket qui avait fait une fausse pension Pokémon. Là où James a mis son Boostiflore, qu'il a évolué. Ça fait penser à ça. Alors, c'est pas le tout, mais on passe comment là? On peut passer là? Oh, on passe. Ah oui. Les bidons cachés tout. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? C'est une zone interdite. Réponds plutôt à ma question d'abord. Je sais jamais qui parle. Tu dois être ce gamin à grande gueule qui a mis le bazar à la volière. On m'a dit de me méfier de toi. Quelle blague. L'autre aussi pensait être abattable. De toute façon, je finirai par te faire dire ce que je veux savoir. Allez, go, on attaque. Ouh, il a l'air méchant lui. Bon, on n'a pas d'attaque haut hyper puissante pour l'instant. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que va me faire pistolet à eau? Ça va pas être violent à mon avis. Ça va me faire mal. Bon, ça va. Lance-flamme, je vais le gérer. Ah oui, quand même, ça brûle. Je sais pas trop ce qui s'est passé, là, il y a mon jeu qui est un petit peu buggé. Bon, je pensais pas que j'aurais réussi à l'avoir. Ectoplasma, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le rayon signal de Pikachu. Et encore, non. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre? J'ai rien de spécial. Est-ce que j'ai pas une petite attaque? Petite attaque, lui, je crois qu'il a une petite attaque ténèbre. Je me souviens plus. On a morsure, on va tout jouer sur morsure alors. Allez, on va faire ça. J'aurais bien voulu garder Nidoqueen pour s'il y avait un gros, mais bon là c'est quand même un gros. Ectoplasma ça me fait un peu peur quand même. On va voir si l'amplificateur de critique va marcher. Pour l'instant pas trop.
Bon, ça y est, ils vont commencer à se soigner là, ça va être chiant. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, je suis un petit peu au-dessus des niveaux là. Je suis assez content. J'ai pas XP mes Pokémon. J'ai pas XP mes Pokémon pour rien. Oh là là, mon jeu il lag là. Scarabrut. Bon, je sais pas si vous vous levez dans la vidéo, hein, mais mon jeu lag énormément. Je vais essayer de couper les plus grosses parties dégueulasses au montage. Voilà, excusez-moi pour cette petite gêne. N'empêche que là, les admins de la Team Rocket, ils ont vraiment des Pokémon classe. Hein. Ça aurait été plus classe avec ce genre de Pokémon dans les jeux officiels. Oh là là, des baies, des potions, des baies, des potions. Oursaring. Oursaring. Est-ce qu'on achève Mercury avec son double pied? On va essayer ça. Alors qu'est-ce qu'il va me faire? Mon dieu, qu'est-ce qu'il va me faire? Allez, tiens. Ah voilà, un coup critique. Super. Et ben je crois qu'on va être sur notre deuxième épisode sans aucune défaite. On va commencer à compter les épisodes là, je vais faire des petits bâtons. Bordel. En tout cas, il y a des gros mots dans ce jeu, attention. Tu crois que je vais révéler quoi que ce soit? Je me tire. Oh, l'autre il se pointe. Alors, moi je me farcis tous les téléporteurs moisis et l'autre il arrive par le téléporteur final. On va dire que je suis ton coéquipier. Et ce que tu as à dire m'intéresse énormément aussi. Bon, et maintenant que t'es bien installé, tu vas nous dire ce que tu sais sur tout ce trafic. Allez, on est assez pressé. C'est bon, c'est bon. Je sais plus qui parle, donc moi je vais arrêter de lire, je vais vous laisser lire. Oui, ce que je me disais, les Pokémon ne sont pas hyper rares ici. Ne t'en fais pas, Maurice, je l'emmène pour l'interroger. N'importe quoi. Bon allez, on taille. Bon, alors. On va toujours se soigner un petit coup. Bon voilà, dans cet épisode on a quand même réussi déjà à ne pas mourir, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour ma part, en tout cas dans ce jeu. On a quand même réussi à régler l'histoire de ce petit truc de la Team Rocket, on a battu l'admin, tout ça, on a 2-3 infos, c'est plutôt pas mal. Là normalement l'arène est débloquée, tous les bâtiments sont plus ou moins débloqués, je l'espère en tout cas, mais on verra ça dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine.